Salut à tous, c'est la rentrée, alors on va remettre les choses à plat pour votre voix. Hey, 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 yeah, 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 yeah. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alice. Je suis chanteuse pro depuis des années. J'ai fait des comédies musicales, des tournées dans le monde, de la télé, du studio d'enregistrement. Bref, j'ai chanté dans toutes les conditions possibles. Et je suis là pour vous aider à faire en sorte que vous puissiez libérer votre voix et vous faire plaisir en chantant. Aujourd'hui, on se fait un format à la cool pour aborder ce début d'année. Je vous rassure, les autres formats habituels continueront d'arriver. Peu importe que vous soyez pro ou amateur, si vous chantez souvent, tenez compte de ces 5 conseils qui vous donneront les bases indispensables pour avoir une hygiène vocale afin de progresser dans les meilleures conditions. Avant de commencer, n'oubliez pas que si vous avez appris des choses grâce à nos vidéos et que bien sûr, elles vous plaisent, soutenez-nous en vous abonnant et en cliquant sur le petit pouce bleu. Merci d'ailleurs à tous nos nouveaux abonnés et à ceux qui nous laissent des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti! Premier conseil, échauffez-vous et rafraîchissez-vous ensuite. Lorsque vous chantez, vous faites travailler vos muscles vocaux comme vous le feriez pour votre corps en faisant du jogging. Par conséquent, pour éviter les tensions et les blessures, vous devez vous échauffer pour préparer votre voix aux différentes hauteurs et aux dynamiques auxquelles elle va être soumise. Rassurez-vous, je vous prépare dans les prochaines vidéos des exercices d'échauffement qui vont vous aider. De même, après avoir utilisé votre voix jusqu'à une certaine intensité, que ce soit lors d'une répétition ou d'une performance en tant que soliste, il est important de refroidir votre voix pour atténuer le choc du passage d'une utilisation extrême au silence. Deuxième conseil, pratiquez régulièrement. Je l'ai énormément répété dans les précédentes vidéos, mais c'est la base. Gardez votre voix en activité, ne vous laissez pas rouiller et ne prenez pas le risque de vous fatiguer la voix, en particulier juste avant un événement où vous avez besoin de performer. Chantez par petites touches tout au long de la journée. Fredonner les parties qui se situent dans votre médium peut être quelque chose de très simple pour pratiquer sans altérer la technique que nécessiterait votre voix dans d'autres registres. Troisième conseil, mangez sainement et hydratez-vous correctement. Un corps sain signifie des cordes vocales saines. Buvez donc de l'eau. Beaucoup d'eau. De petites gorgées d'eau à température ambiante suffisent et aident à éviter le frottement sur vos cordes vocales car elles seront lubrifiées. S'il y a des aliments auxquels vous êtes sensible, comme les aliments épicés ou acides, essayez de les éviter dans votre alimentation avant de chanter. Chaque chanteur est différent et on le sait. Mais je vous conseille quand même d'éviter les produits laitiers, par exemple, qui laissent des dépôts sur les cordes vocales. Certaines personnes, par exemple, ne jurent que par les tisanes, le miel ou les gargarismes pour apaiser la voix. À vous de trouver ce qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à tester votre sensibilité. D'ailleurs, si vous avez certains aliments qui vous empêchent d'avoir votre voix à 100%, dites-le moi en partageant dans les commentaires. Je vous dirai ce que j'en pense. Moi, par exemple, je suis très sensible au café. J'adore ça, mais ça me déshydrate directement les cordes vocales. Quatrième conseil, en cas de doute, ne chantez pas. Vous ne vous sentez pas en forme? Vous avez mal à la gorge? Elle vous gratte quand vous parlez? Eh bien, ne chantez pas. C'est un conseil important. En chantant avec une gorge sèche et tendue, vous risqueriez d'endommager votre voix. Mettez-vous au repos vocal, buvez encore plus d'eau, dormez un peu plus que d'habitude aussi. En fait, faites exactement comme quand vous êtes malade. Il n'y a pas de secret, prenez soin de vous et de votre voix fatiguée. De toute façon, ça servira à rien de forcer sur la douleur. Et pour communiquer avec les autres, mieux vaut parler à voix haute que de chuchoter. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est l'une des pires choses que vous puissiez faire. Quand vous chuchotez, vous mettez davantage de pression sur votre voix, surtout que vous aurez tendance à chuchoter plus fort pour être compris. Grosso modo, vous allez faire éventer vos cordes vocales. Autre cas, si vous devez absolument chanter, faites-le tranquillement en vous assurant que vous avez une bonne posture, tout en soutenant correctement. Restez le plus possible dans votre registre de voix médium. Et aussi, essayez d'éviter de trop tousser, bon, sauf si vous en avez vraiment besoin. Faire des inhalations est également un bon conseil, surtout lorsque votre voix est rauque. Ça permet de maintenir les cordes vocales hydratées et au passage de les débarrasser de ce qui les encombre. D'ailleurs, je vous renvoie vers nos vidéos sur le soutien pour bien comprendre de quoi on parle. J'en profite pour vous dire qu'on a déjà abordé pas mal de points techniques qui vous donneront un avantage considérable dès que vous les prendrez en compte. Cinquième conseil, appliquez les conseils précédents dans une routine. Faites attention à la façon dont vous traitez votre voix lorsque vous ne chantez pas et surtout lorsque vous chantez régulièrement. J'ajouterai des conseils de bon sens comme dormez beaucoup, ne fumez pas ou bien diminuez et faites de l'exercice
pour augmenter votre capacité pulmonaire et même renforcer les muscles périphériques de votre instrument. Voilà, voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet de la santé vocale, vous pourrez les trouver dans notre e-book totalement gratuit qu'on a écrit avec toute l'équipe spécialement pour vous. Et aussi, si vous voulez réécouter ou pratiquer le chant à l'aide de Vocamusique, vous pourrez retrouver ces épisodes sur n'importe quelle plateforme de streaming. Comme d'hab, vous trouverez tous les liens juste en bas dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je fais gagner des coachings vocaux en ce moment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner et nous soutenir en cliquant sur le petit pouce bleu pour nous encourager. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hey, yeah, yeah. Ciao!